Yo les gars, donc petite vidéo qui démontre qu'il faut, hop là, impérativement nerfer l'invie de un tour ou rajouter un tour de cooldown au comploteur. Alors pourquoi ça va démontrer ça la vidéo? Bah tout simplement parce que je vais essayer de monter top 1 SRAM sans l'invie. Mais bien évidemment tu comprends que c'est impossible parce que passer les 4900 de cote, tu ne tombes que sur des SRAM et des OZA. Donc du coup c'était un peu plus complexe. Donc bah, je me suis arrêté à 4870, 80, un truc comme ça. Et j'ai pas pu aller plus loin en fait parce qu'après bah, c'est ça devient chaud quand même, tu vois. Mais c'est quand même pas mal, tu vois. Genre je pense que j'étais à ce moment-là, je devais être top 2 ou top 3 SRAM. Bah, plus top 3, top 4, je sais pas, un truc comme ça à la con. Mais dans tous les cas, tu vois que sans invie, je suis au même niveau de cote que les autres. Voilà. C'est-à-dire que si je prenais l'invie. Bah t'as compris que c'était vraiment easy top 1 quoi, tu vois, comme j'ai pu le démontrer dans la vidéo précédente. C'est pas pour faire le malin ou quoi, c'est juste pour vraiment montrer qu'en réfléchissant un peu, c'est vraiment simple le SRAM de gagner quoi en fait. Et ça montre également, alors là ouais, il m'avait fait un petit retrait PM sur le double, j'ai pas vu, bon je m'en foutais. Tu vois qu'il y a plein de fails, hein, genre j'ai même pas le niveau de fantasme, j'ai même pas un tiers de son niveau, j'ai même pas un quart gros. Parce que bon, il a commenté un petit peu mes combats, et il m'a dit ouais t'as fait plein d'erreurs et tout, et en fait limite ça le dégoûte parce que bah, c'est tellement free win gros. Et le pire tu vas voir dans la vidéo c'est que je n'ai même pas le tacheté. Parce que ce n'est pas mon SRAM donc j'ai pas le tacheté. Et vu que j'ai pas le tacheté bah c'est quand même une arme en moins donc je pense que sincèrement avec le tacheté sans invie il y a peut-être moyen de monter top 1. Mais voilà j'ai déjà fait beaucoup de vidéos SRAM, je vais m'arrêter là. Ça sera une des dernières. Il y en aurait peut-être une autre après, voilà, juste pour finaliser, mais voilà, t'as vu que c'était vraiment bien cancer et que voilà quoi, tu gagnes sans invie gros. Enfin voilà, là tu vois que les cas je lui tiens tête juste avec le comploteur en fait. T'as vu, j'ai tout le temps le comploteur, tout le temps. Donc là je vais lui bloquer toutes les issues, hop, comme ça il peut pas coussiner, il peut pas libé, donc il est obligé de dépenser 6 PA pour se déloc, voilà, merci. Ouais, je me suis mal placé, j'aurais dû me placer là pour la Diago, donc une fois de plus je me place très mal, hein, genre. C'est pour te dire à quel point que juste avec du placement et le comploteur, tu es intouchable. Voilà, je te le dis, t'as même pas besoin de l'invie hein, pour être intouchable. Donc là, tu te rends compte, enfin tu te rends bien compte que si je joue avec l'invie, je suis invincible. Genre, déjà que je le suis déjà sans l'invie, donc avec, voilà. Donc là, voilà, là vraiment les cas, il peut rien faire. Il peut vraiment rien faire. Il a enlevé 4 PM au double, c'est pas mal. C'est quelque chose de bien quand même. Mais bon, il a déjà une toxine full boostée grâce au système de lead. Donc ça fait que, bah voilà quoi, gros. Il va prendre une toxine à 600. 600 putain de merde. Pour 3 PA quoi. Voilà, il me dit c'est pas normal MDR. Bah ouais, gros, c'est pas normal, gros. Voilà, on est contre Elegance. Ça l'avait surpris de tomber contre moi. Donc Elegance, il est dans le top 10 Xel quand même. C'est pas rien. Il a une petite chaîne YouTube aussi, les gars, si vous voulez aller voir et tout. Bon, c'est pas le meilleur Xel, tu vois, mais pour te prouver à quel point c'est auto-win. J'ai battu le top 1 Xel, enfin le top 1 actuellement c'est moi et Glour, mais du coup voilà comment on se partage les comptes, bah, il est également top 1, on est tous les deux à top 1 et du coup bah, je l'ai quand même battu sans invie aussi, tu vois, donc ça prouve que voilà c'est bien cancer. Donc là t'as vu petite pesanteur double, le Xel il passe tour, donc il peut rien faire, hein, voilà, enfin clairement passe tour quoi, enfin c'est, okay, tu veux je te dise quoi gros genre, hein. Donc là c'est bien la preuve que gros vraiment un free win, hein, genre Xel même pas besoin de s'invie, je suis là, hop hop hop, piège piège, double. Il y a tout le temps le double, il est tout le temps là le double, du coup bah, vraiment il peut pas s'en sortir. Je vais mettre 2-3 pièges pour continuer à le taper, boost toxine, tuer son complice aussi, ça le fait chier, au moins il a pas les PA, il a pas la TP, il a pas machin truc. Voilà quoi, enfin c'est. Voilà, tu vois, j'hésite un petit peu, je me dis le complice ou lui, hop, allez hop, le complice. Ouais, après d'ailleurs les gars, il y aura du commentaire en direct, hein, parce que bon voilà, j'étais un peu dépité, moi tu verras mon humeur pendant que je jouais le SRAM sans l'invie. C'était vraiment déprimant. Donc là ouais, comme je connais bien les priorités du Xelor, bah je tue la Kawotte avec la Prémo pour qu'il se reprenne des pièges. Hop hop hop, tu vois, piège piège piège, hop, piège, piège. Voilà, donc là je clique vite fait les impulsions, hop, comme ça je tue ses pivots, je tue l'arc en même temps, paf paf, t'as vu, hop. Franchement Xel c'est... Mec, si tu joues SRAM et que tu perds contre un Xel, je dis, attention, je dis ça pour les SRAM top laders, attention, pas pour les autres. Genre les débutants c'est normal, mais si vraiment t'es top laider et tu perds contre un Xel, honte à toi frérot, hein. Genre vraiment vraiment la honte. Parce que bah moi regarde, enfin je vais le full life, tu vas voir, je vais le full life, je suis sans invie, hein, donc hop, j'ai à nouveau le double. Il vient juste de péter, hein. Le double vient juste de péter, je l'ai déjà, donc enfin c'est... Mec c'est shité sa mère gros, c'est quoi ce bordel gros? C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Allez hop, on envoie le double, paf paf paf.
plus à 30% R. Il a un petit mode intéressant quand même, c'est un petit mode feu crocobure régène, donc c'est vraiment pas mal. J'aime bien son mode, c'est vraiment sympa. Donc là voilà, il peut encore rien faire, hein. Comme je t'ai dit, l'apesanteur et le double tu l'as tout le temps, du coup bah voilà, passe tour encore. Donc là ouais, je me dis, oh qu'est-ce que je vais faire? Bah vas-y, je vais tuer son chat fer, hein. J'ai rien d'autre à faire. Franchement, il n'y a pas besoin de miner, hein. Juste tu sais pivot, tu joues pépère, hop. Théma, j'ai 8 PM gros, avec les cruautés, je suis un tout fumé, mec. Niaou. Voilà, hop, je pars au fond de la map. Je déclenche 2-3 pièges, je prends du régène. Voilà, il pop sur la primo, il a pas les PA, il a pas le TLF, il est taclé. Il est obligé de se détacler comme ça parce qu'il a pas la libé, et même s'il avait la libé, il aurait peur qu'il y ait un scélérat derrière et qu'il passe tour à nouveau. Donc il préfère faire un truc comme ça. C'est blédard, hein, de faire ça, mais il a pas le choix. Et là, il prend une petite toxine à 800, elle est... Ouais, mec, je te dis quoi, enfin, bref. Voilà, bah, vas-y, bonne vidéo, gros. Bonne vidéo, fais-toi plaisir. Voilà quoi. Fais-toi plaisir, frérot. Moi, je suis là. Voilà, bisous. Ouais, ouais, ouais. Bon. Contre petit roublard. Pas besoin de Saint-Vie, hein, contre roublard. Hein. Donc là, je suis pépère. Bon, les mecs, là, on était 6. Je suis contre un roub. Je me suis toujours pas invi, hein. Je peux vous montrer le chat. De toute façon, j'ai un Doma Kuro 32 parce que je m'en fous. Donc, bon, là, je me suis toujours pas invi. Et puis, en fait, bah, je me rends compte que t'as même pas besoin de l'invi contre Roublard. Hein. Franchement, si je le gagne sans invi, c'est chaud pour lui, tu vois. C'est vraiment chaud. Enfin, c'est pas chaud pour lui, c'est chaud pour la classe, tu vois. Genre, ça montre bien que le Roublard. N'a aucune chance contre le SRAM, malheureusement. Peut-être avec maîtrise, je pourrais qu'il son truc là. À méditer, on verra ce qu'on fait. On va bloquer le chemin. C'est bien joué, ça m'empêche de fuir. Ouais, je peux faire plusieurs trucs là. Je peux prendre la zone régène là-bas, comme un port. Ouais, genre tu fais ça, tu vois. Tac. Ça fait du régène. Là, le double il va aller là. On peut. On peut utiliser ça comme ça. Hop. On va faire un petit peu de placement là. Hop, tac, tac. Hop, on va aller ici. Ça va l'embêter. On a la maîtrise d'invoque qui est déjà lancée. On va faire ça. Hop. Allez, on prend toutes les zones. On pète deux bombes. Il a une grosse bombe. Il a une grosse bombe. Il peut nous murer. Mais bon, franchement, pour le moment, c'est pépère. Faut tempo. Faut tempo pour récupérer le double. Il nous reste un tour là. Et dans un tour, on a le double, donc ça va. Ça, faut vraiment le nerfer. Genre, le fait que t'aies le double de 3 tours sur 4, je trouve ça trop pété. Le mec, il a juste un tour où est-ce qu'il peut souffler. Et si tu gères bien tes cooldowns, en fait, il souffle jamais, quoi. Là, ça va partir à un coup de cac. Ouais, tous les jours, ça part. Ça part tous les jours. Le pauvre. Franchement, le pauvre roubleur, hein, vraiment. Gros, il est en train de mourir tout seul, frère. Genre, je me fais taper par ce truc, je m'en bats les couilles. Ben, il aurait pas dû la péter. Hein. Du coup, on va envoyer un petit arachne. 1, 2, 3, 4, ok. Faudrait qu'on avance de 2. Ouais, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Hop. Tac. Nickel. Comment je me débrouille pour clean sa petite bombe là? Peut-être en grattant un petit peu de dopo avec le truc, ça devrait passer. Ou alors plutôt on se protège. Moi je vois plutôt ça, ouais. Ouais, on va se protéger. Je sais même pas à quoi ça sert ce que je fais, frère. On va mettre le coup dessus. Ah, en vrai, on aurait pu la clean, hein. Franchement, avec le dérive. Ouais, non, ça passait pas en fait. J'ai dit de la merde. Ça passait jamais. Là, faut absolument qu'il me tue. Hein. S'il me tue pas, il a perdu avec la toxine et tout. Hein. Mec, c'est vraiment honteux, frère. Genre, j'ai le double. Je vois pas comment il peut gagner en fait. Il peut pas. Il peut pas, il peut pas, il peut pas. Il peut pas gagner. Ah. Ok. Ouais, pas mal. Une zone grenaille. C'est pas mal, franchement. Il a sans doute. Ouais, putain, il pète sa meilleure bombe, mais il a pas le choix. Il doit placer une bombe. Ouais, il veut me faire tout sauter avec ça. Mais bon, ça. C'est fini quoi. Il va essayer une explosion avec la méga bombe. Non. Bon, je sais pas s'il a un forge lave ou pas. Je peux remettre mon double, je peux tempo encore 10 ans, mais ça sert à rien. Le pauvre, c'est juste une perte de temps.
Tac. Du coup, on va faire un réseau un tour avec l'arachne. Voilà. Bah voilà, t'as pas besoin de ta vie, gros. Y a pas besoin de sa vie en contre Roublard. Ok, les mecs, toujours pareil. On est en train de tempo la vie, tranquille. Bon, là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Il a bloqué mon double, c'est bien joué. Je vais sans doute le déloc. Est-ce que j'ai lancé la maîtrise d'invoque? Non. Ok, on va le déloc tranquillement, le double. Hop, donc là, on voit qu'il sera là. Et là, à partir de là, du coup, bah. Il a pompé sa récure, donc c'est un petit peu chiant pour lui. On va mettre ça là. Et puis on va préparer un réseau pour le prochain sur le double. Je vais pas passer tour maintenant parce que ça fait des trucs bizarres des fois. Hop, ok, carré. Donc, comme ça, tu vois, j'ai pu bloquer. Et puis là, on va bloquer cette diagonale au moins, c'est déjà ça. Hop, on va lui enlever un petit peu de futé avec la calamité. Donc là, il est vraiment full taclé. Et là, du coup, s'il veut aller mettre l'embut, il est obligé de passer par là. Et enfin, t'as vu, c'est chiant quoi. Genre, la LDV elle est bloquée aussi. Donc, y a pas une possibilité d'aller de faire Kaot Mari ici et d'aller la prendre là quoi. Y a aucune possibilité d'embut quoi. Donc, là pour le moment, tout ce qu'il veut, c'est mettre un coup d'embut avec la foreuse. Mais pour le moment, c'est tranquille quoi. Du coup, c'est vraiment tranquille. Nous, on tempo la toxine, hein. On la monte petit à petit. Donc là, elle part à son prochain tour, donc oh, c'est tranquille quoi, c'est vraiment chill. Mon double il va péter ce tour-ci, je crois. Donc je vais péter sa truc. Je vais la péter. Il faut vraiment que je le fasse correctement. Tac. Voilà. Donc là, on va faire ça comme ça. Ouais, double fin jeu, je pense. Hop, ça suffira largement. Et le double, lui, il va réactiver la toxine. Et éloigner au passage le steamer. Donc là, c'est elle qui déclenche ça. Tac, voilà, nickel. On va casser la LDV ici. Ça va faire péter ici. Hop, voilà, nickel. Et je pourrais le faire péter sur. Ouais, non, sur le steamer en vrai. On va compléter l'aéronate. Donc là, il peut venir ici pour choper la LDV en but une fois de plus, mais toujours pas besoin. Hein. Pas besoin, pas besoin. Donc là, on est à 4700 de côte quand même. C'est pas rien. Hop. Il va aller me taper, ouais. Il va aller me taper, mais il n'y a pas d'érosion, donc au final, il n'y a aucun risque pour moi, quoi. Ah, quoique, c'est pas mal ça. Il récupère le cooldown plus rapidement que moi quand même, hein, vu que c'est 2 tours sur 3, et moi, c'est 3 tours sur 4. Donc. C'est pas rien quand même, tu vois, faut quand même s'en méfier. L'arachne vient jusqu'ici, d'accord. Malheureusement, j'aurais pas le PA de l'abyssal. Mais comme c'est le double précédent qui a déclenché le truc, ça va quoi, je vais pouvoir clean cette merde. Hop. Et puis je vais continuer à me planquer ici, je pense. Hein. Hop, voilà. L'arachne, on va la mettre ici. Elle peut nous servir pour déclencher un prochain truc s'il revient vers la bâtisse. Il aurait peut-être pas dû faire rush sa forêt comme ça quoi. Donc là c'est un petit peu chiant pour aller chercher l'embu. Ah ouais, j'aurais même pu me mettre là parce que là il pouvait me choper que d'ici tu vois et ça le forçait un petit peu à s'exposer pour venir mettre une embu donc c'était pas forcément le truc le plus ouf à faire. Ok, bon du coup il prend la fuite hein. Il clean l'arachne, il a raison. Faudrait qu'on lui mette un coup d'héros mais ça va, il joue bien sur les LDV. Du coup on va juste envoyer un double et pesanteur, je pense. Ouais, on va faire ça. Ouais, double pesanteur. Avec une petite épidémie. Et une zone. Ah non, quoique la zone calamité est quand même plus intéressante. Du coup, on va faire ça. Et là, on va mettre ça là. Parce qu'il va sans doute. Tu sais, il va sans doute se récure ici. Pour aller là. On sait jamais. Hein. Ou alors, il va juste mettre un truc et récure sur le double, qu'importe. C'est peut-être qu'il va récupérer le double un peu plus loin avec un chalut du coup. Bon, enfin, ça va vraiment dépendre quoi. Et pourtant le mec il est au petit, il a le mode de IT, tous les trucs comme ça là. Ben, un mode en but quoi. C'est quand même un mode assez solide contre SRAM. Voilà, tu vois, voilà, comme c'était prévu du coup, c'était sûr et certain qu'il allait passer par là pour mettre une embu et du coup, bah voilà quoi, il perd. Une partie de son tour en soi, donc c'est un petit peu chiant. Et il va quand même mettre une petite embu, mais bon, c'est du 600 quoi. Et puis ça me fait une zone régène derrière. Et là, par contre, du coup, il prend l'érosion. Donc c'est. Je pense qu'il a pris un risque inutile en vrai. Donc là,
Il va vouloir, si je fais ça, il va vouloir mettre un truc là ou là. Faut que je prenne la zone régène quand même. Faut que je prenne la zone régène. Il faut que je... Le truc c'est que je vais tacler. Ah, c'est un petit peu chiant là. C'est un petit peu chiant, mais on va faire comme ça, tac. Et puis là, sur ce coup-ci, soit il vient là en fait. Bon, on va prendre ce risque-là, mais soit il vient là, soit il vient là. Mais du coup, j'ai fait ça comme ça. Dans tous les cas, ça lui coupe l'aspi un petit peu. Et moi, je prends du régène derrière. Là, je prends du 369 quand même. C'est pas rien. Comment il va se débrouiller du coup là? Bon, là, il est sous zéro. Faut vraiment pas qu'il fasse le con quoi. Ouais, du coup, c'était sûr, tu vois. C'était pour ça. Genre, je pensais qu'il soit il allait les mettre là, soit là. Il avait deux choix. Il en avait trois même. Il avait ici, ici, ici où il pouvait aspi. Donc, c'était un petit peu chiant. Mais bon, ça va pour le moment. On est vraiment chill. Mon double des tacles de 4, d'accord. Attention à la zone régène quand même. Ok. Je kill ça truc, hein, je pense. Avec le double, ça doit passer tous les jours. Je pense que ça passe tous les jours avec le double. Hop. Ouais, ça passe tous les jours. Maîtrise CAC. Comme ça, je me régène au passage. Hop. Voilà, nickel. Où est-ce que je vais me placer? Je pense que je vais me placer ici. C'est chiant pour lui. Hop, on va faire sauter ça, nickel. Comme ça, il a toujours pas d'érosion. Là, faut vraiment qu'il se taille, hein. C'est pas possible pour lui. Hein. En plus, j'ai pas mon double, donc c'est vraiment le tour où faut qu'il se taille parce qu'il a la toxine à 1. Peut-être qu'il a vu, peut-être qu'il a pas vu. Ah non, il va essayer d'être offensif, mais sans érosion, ça vaut pas le coup contre un SRAM. Ça vaut vraiment pas le coup. Même si tu mets du 800 derrière, c'est pas fou quoi. Ah, bien joué, ça va, ça c'est pas mal, j'aime bien. Ok. On va tâcher son truc. Est-ce qu'on pousse de 3 ou de 4? C'est la question. On va pousser de 3. On va mettre un coup d'héros. Hop. On va remettre un coup d'héros, je pense. Quoique. Non, 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 on va pas faire ça, on va faire ça attaque. On va attirer. Ouais. Et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. On va faire ça, attaque. Puis une arnaque pour booster, voilà. Comme ça boostera mes prochaines attaques comme il a récupéré la foreuse. Donc ouais, c'est pas dégueu. Il peut me mettre un gros tour, c'est pas un problème là. Tu vois vraiment que c'est honteux quand même de pouvoir gérer sans invis. Donc bon, évidemment, si c'était un très bon steamer opti à la mort qui tue, voilà, mais je suis toujours sur le principe d'avoir qu'un seul stuff, hein, c'est toujours le même bail, regarde, hop. Du fou vol de l'or malveilleur. Y a même pas, frère, y a même pas de tacheté, je m'en bats la race, gros. Je joue en mode bat les couilles. Hop. Et j'ai dit n'importe quoi d'ailleurs, il a pas encore le cooldown. Je vais pas pouvoir aller le réseau ce tour-ci, mais je vais quand même pouvoir prendre un petit peu de régène, je pense. Ouais, en vrai, je pense que je vais continuer à être agressif, hein. Je vois pas pourquoi, genre, je ne le serais pas. Ah, c'est vrai que quand même, il a un petit peu... Non, tu sais quoi, je vais continuer. Je vais continuer à être agressif. On va mettre un double ici, hop. Donc ça fait 3-4-2, j'ai pas la maîtrise. Du coup, on va mettre un coup d'héros, on va cac, hop, nickel. Et puis le double qui va aller tacler, quoi. Qui va casser l'aspi sur nous deux et qui va le forcer à se détacler, c'est chiant. Ok, donc ça c'est bien joué, écume. Mais ça casse là, toujours la LDV, hein, donc c'est vraiment chiant. Il va sans doute mettre ici une foreuse. Foreuse Evo ici, ou ici, qu'importe. Et après il va aller prendre la LDV ici pour en but, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'il a pas envie de foreuse parce qu'en soi ça me sert de régène, tu vois. C'est un petit peu chiant pour lui quand même. Ok, non, même pas. Bah, du coup, ouais, il va quand même me taper, mais là, il est mort, hein. Il est mort, il est mort. Il va se prendre en réseau un tour à je sais pas combien. Je crois que j'ai mon Domakuru à. Ah, ben non, 48. Ouais, bon, c'est pas grave, tu sais. Enfin, genre, ça revient au même, quoi. En plus, derrière, il sera encore taclé. Sa foreuse, elle sera pas full boost. Tac. Attends, on va regarder ça vite fait. Je finis juste le tour. Hop. Sa foreuse, elle a combien? Ah bah elle est pas boostée du tout tu vois donc et là du coup il sera attaqué parce que là genre, il va pop ici.
Donc je vais les tacler après. Ok, bah il est mort. Ok, ok, on est contre un roublard. Donc roublard, ouais, c'est pas... Franchement, c'est pas compliqué non plus, quoi. J'ai beau jouer SRAM depuis... Bon, maintenant, ça fait un petit moment, quand même. Ça fait plus une semaine, mais... Ça fait 2-3 semaines, maintenant. Bah, c'est toujours aussi simple, quoi. Franchement, ça a pas trop changé, quoi. C'est toujours assez facile. On est contre Shen Misan. Elle a beaucoup de points de vie, quand même, le monsieur. Ouais, bah tu sais quoi, on va jouer agressif, hein. Je vois pas pourquoi on le serait pas. Hop, on va faire ça, tac. Hop là, hop. Ok, nickel. Petit double, hop. Attends, on va jouer avec les touches, ce serait plus simple. La petite épidémie, hein, qui va le faire chier, parce qu'en fait, elle va forcer à s'invie. Alors, je sais pas si... Enfin, elle va le forcer à ne pas se... à pas cacher les LDB, tu vois, c'est chiant. Et je sais pas si... si j'aurais besoin ou pas de l'invie, hein. On va voir. Je pense que, vu son optimisation quand même, 5440 PV, ça va pas être simple. Ok, il va mettre une bombe ici pour casser la LDV, c'est bien joué. Donc je vais sans doute la prendre de l'autre côté. Ok, non, bah l'autre côté aussi, il l'a cassé. C'est vraiment pas mal ce qu'il a fait là. Je peux la casser entre autres, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Autant aller clean sa bombe tranquillement et continuer à spam les épidémies, quoi. Hop, nickel. Donc là, genre, je vais faire épidémie, hop. Tac, maîtrise cac, hein. Voilà, ça passe tous les jours, hop. Ouais, on va s'avancer, hein. Franchement, on est là pour le rush, pour le faire chier. Hop, encore l'épidémie. Donc au final, l'épidémie, il y avait quand même du 300 sur 50%, donc ça gratte, hein. Bon, alors, après, je crit pas, je crois qu'il y avait quand même... plus de dégâts en CC, ouais, quand même, quasiment 10 de plus, et même 12 de plus, mais bon, c'est pas, ça va, tu vois, c'est tranquille. Ok, il recasse le truc pour le double, c'est pas mal. Ok, pas mal, ça, pas mal. Franchement, il joue bien, le mec, hein. Je sais pas qui c'est, il joue vachement bien. Du coup, je vais continuer à être agressif sur ces bombes, hein. Hop. 1, 2, 3, 4, ok. Oula, qu'est-ce que je fais, bon, ça va pas. Tac. Nickel. On va continuer à agresser ses bombes, hein, vraiment. Vraiment être agressif avec lui. On va mettre un piège là qui attire. Et du coup, si ça attire là. Ouais. Je suis pas fan, du coup, on va faire comme ça. On va rester ici, là, dans le middle, là, comme ça. Hop. Et ça. En vrai, tu sais que j'aurais pu mettre un scélérat ici qui attire là. Ça l'aurait fait chier pour aller prendre le truc. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en tous les cas, il va étoupiller. Donc, c'est pour ça. La question est-ce qu'il joue Omega Bomb ou pas, et ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Ok, c'est bien joué ça. Il va me murer avec une embue. Mais en vérité, c'est pas un problème. Est-ce qu'il va mettre une méga bombe? Non, il joue pas méga bombe, d'accord. Très bien. Moi j'ai le choix, soit je clean le mur, soit je me régène. Franchement, il a cramé l'entourloupe, donc en soi, il doit jouer Blabot. Il y a des chances qu'il joue Blabot. On va double clean, c'est quoi comme ça? Hop, je me régène au passage. Hop, nickel. Et celle-là, on va l'enfermer avec un truc. Et puis on va aller là, il est sans doute ici, il y a des chances. Non, il est là-bas, ok. Voilà, il peut me taper avec des attaques. Ouais, voilà, un petit coup d'arc. C'est pas mal, ça évite le proc Vulbis. Donc c'est pas mal du tout. Mais du coup, je vais envoyer un double. Hop. Je vais calamiter. Ah, j'ai pas envie de trop m'exposer non plus, tu vois. Donc, on va pas mettre les roues encore. Hop. Et la toxine, on va aller la prendre ici. Ou ici. On va la prendre ici, c'est bien. Hop. Nickel. Un petit peu de soin, hein. On n'est pas obligé de... Oula, c'est cleaner. Hop. On n'est pas obligé de se mettre full life. Hein. Franchement, il y a deux cocos dans deux tours. On est très bien. Il faut juste penser à clean des bombes dès qu'on peut et c'est tout. Maintenant qu'il y a la toxine, franchement, ça va faire le taf pour moi et moi j'aurai juste à clean bombe quoi, tranquillement. Hop, nickel. Il y a une grosse bombe là-bas, faut se méfier. Ok. Très bien, on va mettre un coup de claque sur celle-là. Hop, ok, ça tue pas. Comment je me prends là? Comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Peut-être une arnaque encore.
Hop. Une arnaque et puis un scélérat ici. Ouais, bien mieux le scélérat ici. Tac, ok. Hop, nickel. Nickel, nickel. Comme ça, il est taclé, c'est chiant. Il peut pas libé, donc il est obligé de bombe. Ouais, voilà, bombe ruse. Ok. Comment il s'y prend là? C'est vraiment horrible pour lui. C'est franchement, je vous le dis les gars, c'est vraiment une horreur. Il va en tourloupe, sans doute. Et ouais, mais c'est un petit peu chiant du coup. Ouais, il va la prendre ici du coup. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. Donc le double, il pourra kill celle-là. Le double pourra kill celle-là. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, je vais taper sur celle-là. Wakak, hop. Tac. Ouais, on va prendre comme ça. Hop, et on va continuer le rush. Hein. C'est vraiment très important de le rush. Normalement, il meurt pas dans le mur. Ouais, c'est bon, il meurt pas tous les jours. Hop. Boum, c'est bon, nickel. Nickel, nickel. Hop. Pour le moment, ça se passe bien. Hein. On aurait pu s'envie deux fois, mais on l'a pas fait. Donc ça se passe plutôt très bien. Ok, nickel, il rebooste la toxine. J'aime bien. J'aime bien ça. Je vais clean celle-là, mais il va sans doute croisement. Ouais, non, je vois pas comment il peut faire là. Ok, s'il va faire comme ça. Ok, c'est un petit peu chiant quand même ça. Je prends des dégâts. Ok. D'accord, très bien. Donc celle-là, faut vraiment la clean. Et celle-là aussi peut-être, tu vois. Genre, on va voir les boosts où on en est. Ok. Donc celle-là, je peux faire une flamiche. Hop. Carré. Ensuite ici, je vais mettre un coup de cac qui ne suffira pas. Donc on va faire une maîtrise. Ok. Et le roublard, on va directement placer l'érosion dessus en fait. Hein. On va lui placer l'héros. Et puis on va se cacher ici, je pense. Hop. Ouais, maîtrise des invoques. Ok, bon. Ça se passe plutôt bien. J'ai le retour du double, il a l'embu. Mais c'est pas très grave. Je prends du risque hein, à faire ça. Je prends énormément de risques, mais pour le moment, comme tu vois, ça c'est pas non plus la mort. Hein. Après, mon placement là, il a vraiment pas été. Il a pas été ouf, tu vois. Ça aurait été mieux si j'étais là. Ok, donc la dégâts bombe, enfin. Là, on est au courant maintenant, on sait qui joue ça. Il va sans doute me bloquer le passage pour que je puisse pas le raison un tour. Ah non, dommage. Bah du coup il m'a fait une zone régène là. Ça c'est pas ouf. Hein. Ça moi, miam miam tu vois. Hop. Parce que là du coup je vais continuer à spam régène comme un porc. Voilà, nickel. Hop. La grosse, c'est juste avec le régène je m'en sors là pour le moment. J'ai Dokuko prochain, lui il a la toxine et l'érosion sur la gueule donc c'est pas ouf tu vois. Après il a le retour de l'embu. Mais celle-là je peux la clean avec une flamiche du coup. Après j'ai pas la LDV donc ça c'est un peu chiant. Ouais, embu. Comment il va se débrouiller pour mettre l'autre? Ah il la met pas du coup. Je préfère ne pas la mettre. C'est intéressant. Attention à la zone régène. Vraiment faire attention à ça. Ah il a fail putain, dommage. Dommage, dommage. C'est un petit peu triste tout ça. J'ai oublié le sort. Aïe aïe aïe. Dommage, je vais lui dire. Hop. Bon, du coup, on va prendre la zone régène ici. Hop. Je vais péter ça. Hein. Franchement, ça, je vais le péter avec une flamiche. Tac. Ça, je vais mettre un coup de cac dessus. Ah, ça veut pas clean, dommage. J'ai quand même clean, je pense. Ou alors je clean ça, je lui fais sauter à la gueule. Non, on va plutôt clean ça en vrai. On va plutôt clean ça. On va jouer safe. Il y a une collante ici. On va la tacler. Ah, on va la tacler, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, genre, il est obligé de la transformer quoi qu'il arrive. Et du coup, je vais plutôt mettre le. Je vais le mettre ici, le double. On va l'éviter de contourner et de partir de l'autre côté. Je suis déjà full life. Je m'en suis même pas rendu compte, mais je suis déjà monté full life. C'est vraiment cancer. Hein. En plus, il joue bien le roublard. Il joue bien, mais t'as vu, genre, juste en réfléchissant un petit peu, ça. T'as pas besoin de la vie en fait en SRAM.
Genre, je me suis rendu compte en fait quand je suis monté top 1 qu'il n'y en avait vraiment pas besoin. Donc là, tu vois, elle est taclée, elle a l'embu, donc il peut pas faire grand chose quoi, c'est un peu chiant. Donc il la perd au final, malheureusement. Ici, on va prendre une zone, hop, comme ça. Je vais mettre un coup d'héros quand même, ce sera gratuit. Nickel. Avec cette zone, qu'est-ce que je vais pouvoir gratter de plus? Pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. Donc on va clean ça. Tac. Hop, nickel. Ça, on va mettre un coup aussi là-dessus. Et puis on va aller là. Hop, on va faire ça. Tac, nickel. Boum, on fait péter. La bombe à 31 PV. C'est vraiment le sida. C'est le sida en personne parce qu'il peut pas me rush. La question c'est, est-ce qu'il a le forge lève? J'ai pas encore regardé. J'ai même pas fait attention, mec, hein, alors que c'est quand même un détail important. Mais je m'en fous complètement, quoi. Donc là, il va reprendre une grosse toxine, il remet une méga bombe, c'est intéressant. Mais après, la méga bombe, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est très fort, hein. C'est très très fort. Sans ça, les roublards ne pourraient pas gagner, justement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le temps le truc le plus fort, quoi. Donc là, j'espère que j'ai pas fail dans mes trucs. Non, j'ai pas fail, ok. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais double arnaque sur elle pour la kill. Nickel. Un coup d'arc ici. Hop, nickel. Et puis, juste en spam en regen, en fait. Juste en spam en regen comme un gros cancer, gros. C'est au calme. Vraiment, mon placement, il est nul à chier. Mon placement est nul à chier. Mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'on finit assez souvent une full life, en fait. Donc là, il y a une petite zone truc à la con, là. Hop. Qu'on va aller chercher d'ailleurs. Hop, on va faire ça, tac, tac, ok, nickel. Ça, on va le clean, ça nous casse les couilles. Hop, on va aller là et on continue à prendre des petites zones régènes. Hein. On spamme le régène comme un cancer. Et j'ai 34%, pas besoin de 50%, les gars. Alors, je sais que moi, des fois, je les mets parce que j'ai la flemme de réfléchir, mais là, juste en réfléchissant un petit peu, mec, il peut rien faire. Et regarde, il y a zéro piège sur la map. Hein. Genre, il y a les mecs qui minent comme des porcs, mais vous avez quoi dans la tête, les gars? Genre, ça va pas, hein? Vous êtes tarés. Ok, donc là, on va pouvoir clean les deux bombes avec une calamité. Donc, ouais, on va faire ça, hop. Et ensuite, jusqu'où on peut aller? 3. C'est un peu chiant. Là, c'est un petit peu chiant, tu vois, en l'occurrence. Mais ça va. Genre, on va se débrouiller. Ouais, c'est bon, en faisant comme ça, là ça passe. Tac, il vient là. Ensuite, du coup, il vient ici, il attire. Hop. Et ensuite, là il y aura sans doute son truc qui va pouvoir lui permettre de ruse. Donc, on va faire comme ça. Ouais, nickel. Hop. J'ai toujours la maîtrise d'invoque, hein, on vérifie. Hop, on prend le régène, ça clean des bombes. Hop. Ah, ça, c'est vraiment malaise. Je pensais que ça killait, que ça tuait, mais ça tue pas. Du coup, on va l'éviter de pouvoir faire des ruses, là. Enfin, des croisements. Je sais pas où c'est plus rentable, on va faire en ligne quand même. Mais c'est un petit peu chiant du coup. Franchement, ça me fait chier ça. Hein. Les 34 PV là. Ouais, c'est chiant. C'est très très chiant, je sais pas à quoi c'est dû. C'est pas grave. C'est sûrement. Ouais, c'est parce que j'ai pas mon Vulbis quoi. Donc là, il va pouvoir me murer ici du coup, c'est un peu chiant quoi. Parce que je pourrais pas clean la bombe derrière. Enfin, je peux, mais t'as compris. Après, il prend du risque là, attends. Mais il est mort en fait. Attends, il y a une ligne de vue là. Ah, il est mort. Hein. Franchement, enfin, je peux continuer à jouer cancer. Hein. Je peux cleaner deux bombes et quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Mais t'as vu, pas besoin de la vie. Hein. Genre là, il est vraiment mort. Bah, en fait, genre le roubleur, il a un peu la haine et c'est normal d'avoir la haine, tu vois. Parce que là, je peux envoyer le double méprise et tout. Enfin, regarde, hein, gros. Mec, je peux faire 10 000 trucs, gros. Genre, je peux même ma vie, hein, mais comme je t'ai dit, il n'y en a pas besoin. Du coup, voilà. Voilà. Ok, on est contre le tactique. Je sais pas trop par où commencer là. Vas-y, on va envoyer un truc comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4. Ouais. Hop. On va aller le choper comme ça. Il joue quoi? Il joue Dopu? Oh. Ça, c'est intéressant ça. Ça, c'est fortement intéressant. Est-ce qu'on est en. Ouais, on est en DDG. Ok. Ben vas-y, hein. On va commencer à le chatouiller. Est-ce qu'il peut mettre un truc jusque là? Ça m'étonnerait. Je crois que la portée max est 6, hein, si je dis pas de conneries. Ce
ça serait un peu abusé que ce soit 8. Ouais, on va faire comme ça, ok. Un sonar, une Evo. Il y a peut-être la blindage. Le tactique qui était. Je pense qu'il l'est toujours, hein, dans le top 3 steamer en tout cas. Dans les meilleurs steamers du jeu. Ouais. Ouais, mais ça va être chiant là ce que je vais lui faire moi. Alors attends. J'ai combien d'invoques sur le mode? Parce que là, ça me dit que je peux être une arachne, mais ouais, j'ai qu'une invoque, hein, donc c'est bien un bug. J'ai envie de kill ce truc en fait. Genre, il n'y a aucun intérêt à la laisser en vie. Hop. Du coup, on va la kill. Et puis, on va rush. Hop. Et de l'autre côté, on va envoyer le double. Voilà. On va le prendre en gangbang. Je peux sans doute mettre un chalut et me récure, mais ça vaut pas le coup quoi. Ça serait prendre la toxine et l'érosion. Et s'éloigner de sa gardienne au passage. Peut-être qu'il va mettre un chalutier, tu sais, juste pour me bloquer, genre ici là, ça serait chiant. Ok, du coup, il fait brise lame. Il a raison, parce qu'il y a le double qui pète. Donc c'est de l'érosion qui ne sera pas prise du coup. Et il me fait un petit ressac. D'accord, très bien. Bien, bien, bien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais. Allez, lui placer la toxine, hop. J'ai placé l'érosion également, hop, 20%. Je vais prendre la zone ici. Nickel. On va remettre un coup d'héro. Mettre ça ici, nickel. Comme ça, hop, ça peut être sur les deux. Et je peux peut-être faire sauter la gardienne si jamais j'en ai envie. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, il a le retour tacti, prochain tour. Donc, hop, ça va pas être non plus la facilité. Ok, un petit sonar, c'est bien joué ça, ça m'embête. Mais par contre, du coup, ah, il tape fort quand même. Ça rigole pas, ça rigole pas. On va remettre un coup d'héro, comme ça, ça sera fait pour les prochains tours. À moins que j'ai plus intéressant à faire. Du style clean son truc. Ouais, je pense que clean son truc, c'est pas mal. Pour le retournement double. Mettre un coup d'arc dessus. Ah, ça m'affichait pas que je perdais un PA par contre là. Ça c'est un petit peu chiant. Bon bah on va vite agir du coup, mais c'est clairement chiant ça. Je sais pas d'où vient ce bug. Hop. Mais ça m'a bien embêté là. Écoute, on va faire avec, mais quoi, ça me dit que j'ai perdu un PM. J'avais 13 PA. Non, non, j'ai bien perdu un PA. Hein. Donc, je sais pas. Je ne sais pas d'où vient le bug. Si certains savent, hein, je veux bien savoir. Je veux bien savoir d'où vient ce bug là. C'est un peu chelou là. J'aime pas trop les bails chelous comme ça. Écoute, on va faire avec, mais j'aime pas ça du tout. Je ne suis pas un grand fan de bugs. Bon, du coup, on va prendre ça. Ça, on va l'attirer comme ça. Là on va mettre une pesanteur pour qu'il nous foute la paix. Là on va mettre ça là. Elle sera ici la tactique du coup. Donc on va se méfier, on va plutôt aller ici. Nickel. Donc là je vais attirer les deux, ça évitera de faire des bails bizarres. Hop. On va prendre la zone régène au passage. Hop, nickel. Là il doit mettre une gardienne. Aspi dessus. Donc il va la mettre ici ou ici sans doute. Mais vu que sa tactique est pesanteur, il peut pas la TP, donc il est obligé de la blindage quoi. Ouais, c'est un petit peu chiant pour lui. C'est très chiant même. Ok, peu écume. Ça c'est bien joué. Ah, ça c'est vraiment bien joué. Ah, il veut pas la. Il veut pas essayer de me pousser. Ah, c'est dommage. Je pensais qu'il aurait pu tenter de me pousser. Je vais l'attirer là. Je vais la tirer ici. Je vais prendre une zone de régène ici. Quoique en vrai. Je la clean jamais.
Faut se méfier là. Faut vraiment faire attention. Du coup on va aller là. On va mettre un piège ici. Bon c'est un peu flag, à moins qu'il pense que ce soit là, mais ça m'étonnerait. Tac, on va faire ça, hop, on va prendre la zone régène. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas vraiment de risque. Hein. Ok, il fait ça, périscope, périscope, périscope. Périscope. Il a raison, hein, mais aïe aïe aïe. Ça en fait le truc c'est que ce genre de truc c'est tellement fumé contre pleine classe, mais contre le SRAM, t'as vu, genre. Mec, je prends zéro dégâts, gros. Voilà, je vais quand même prendre un petit mille, mais derrière il perd sa tactique, donc c'est chiant. C'est chiant pour lui, quoi. Ouais, voilà, je prends du mille. Mais comme prévu, il perd sa tactique. Hop. On va essayer de prendre une zone régène à nouveau. C'est vraiment important de spam régène. Hop. Si on veut jouer sans l'invie, il faut. Hop, priorité, elle est ici. Et du coup, on va se mettre là, je pense. C'est un petit peu chiant pour les gratter les dopos pour lui là. Hop, nickel. Boum. Voilà, c'est bon. Ok. Ok. Là, il va repartir vers la gardienne parce qu'il a besoin de soins. Il joue Forge Lave ou pas? J'ai pas trop regardé s'il joue. Les 150 pubis viennent forcément du Forge Lave. Ouais, il y a aucune autre raison qu'il ait. À moins que ce soit un blindage calibré au 150, mais sinon, non. Il a bel et bien un Forge Lave. Il a le retour de la tactique. Il va sans doute la blindage. Ah non mais non. Il veut pas la blindage. C'est bizarre ça un peu. C'est un peu douteux. Le truc c'est que je peux pas la clean quoi. À moins que cac ça suffise, mais on va juste regarder la maîtrise. Hop. Ouais, ça suffit jamais. Genre avec cruauté, arnaque. Ouais, si je crit au cac. Non, je crit pas. Très bien. Donc, on va pas miser non plus que sur de la chance. Donc, là, on va essayer de faire quelques bails. Il va venir ici. Hop. Donc, on va le reculer un max. Et on va mettre là, ici, pour la toxine. Histoire qu'il la perde pas. Mais il va quand même périscope, je pense. Hein. Périscope, périscope. C'est quasi sûr. Ok, non. Du coup, ok, il prend ça, c'est pas mal. Il a recon sa truc. C'est un peu chiant. Faut l'avouer. Il va tenter de me faire un rail, mais il va sans doute se prendre le répu. Donc au final, ça risque de bien se passer, je pense. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc ça se passe plutôt bien. Comme d'hab, il n'y a pas de piège sur la map, il n'a pas besoin. En plus, le tactique, vraiment, il est bien connu. Hein. C'est, franchement, c'est, moi je sais qu'en Xel, c'est une horreur contre lui. Bah, du coup, voilà, quoi, comme prévu, c'est pas ouf d'Opu contre SRAM, quoi. On va mettre ça là. Ici, on va prendre le truc ici. Ouais. C'est ok. Ça m'a l'air ok. On va faire ça comme ça. Et puis, est-ce que je prends une zone régène sur les deux pour commencer à clean son truc? Ouais, je pense. Et là, elle sera ici. Donc, faut vraiment s'en méfier. Hop. C'est comme la peste. Ok, nickel. Hop, les deux sont pesanteurs. On va commencer à gratter les dégâts. Voilà. Bon. Il peut s'en sortir là. Il peut tenter de me mettre sur un endroit où la tactique me pousse. Genre ici. Ce serait bien. Ouais, il va sans doute faire ça. Il va me torpiller ici. Et torpiller ici, je dirais, et chalutier là. Comme ça, je prends le chalutier qui me pousse. Ça me tacle en même temps. Je sais pas si c'est bien. Genre, je joue pas steamer. Mais je pense que c'est ce qu'il va faire quoi. Ressac, ok. Ah, c'est trop défensif ça. Moi je trouve ça trop défensif. Parce que là, le double du coup, il a dû péter à la gueule. On va essayer de clean ces deux trucs à la fois là. Hop, avec le double. Quoique, il pète pas encore, je suis con. Je suis complètement con par contre. Mais c'est pas grave. Hop, ça fait partie du métier quand on joue SRAM. Ah, t'es trop arrogant. Ah. Bon, du coup, attends, hop, ça clean pas. Bon, du coup, on va faire ça, un petit coup d'héros. Hop, on va aller là. On va continuer à faire chier. Nickel. Et puis, en fait, il n'y a pas besoin d'un vie. Hein. Je suis toujours full life. Donc, bon, il n'y a pas. Comme d'hab, quoi. C'est vraiment trop fort de jouer full rock sur SRAM. Je sais pas pourquoi ça spam les raises. Hein. C'est vraiment un truc de cancer de spam les raises. Quand tu sais jouer, il n'y en a pas besoin. Ok.
Je risque de ne pas pouvoir faire péter sa truc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est un petit peu chiant. Du coup, on va juste lui infliger des dégâts. Hein. On va faire comme ça. Ouais, il est pour aller pile au cac. On va faire ça comme ça. À moins qu'on veuille l'éloigner. Non, je vois pas trop l'intérêt. Du coup, on va faire ça comme ça. Tac. Et ici, on va commencer un réseau. Pour réseau sa tactique en fait. Ce serait pas mal. Ouais, on va prendre ça comme ça, voilà, nickel. Ok. Hop. Boum, tout ça sur érosion, hein. Miam miam. Sachant que là, il tient vraiment avec la vita de la truc là. Ah, mais non, il a pas monté. Non, je dis de la merde, tu vois, donc. Je dis bien de la merde. Hop. Je suis même pas full concentré et tu vois que je peux gagner sans main vie, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le SRAM n'avait pas l'avantage sur les grandes maps contre pleine classe comme Yop, Xel et tout. C'est totalement faux. Hein. Sur une grande map, c'est encore pire parce que si le mec joue bien son placement et sa portée, ses lignes de vue et tout, bah, tu ne peux pas le tuer. Donc là, on peut avancer jusqu'à 2. C'est ce qu'on va faire. On va clean son truc. Hein. Parce qu'il a sans doute monté au niveau 2. Ouais, voilà. Et comme ça, tes prochains tours, j'ai à nouveau le double. Donc en fait, prochain tour, je suis tranquille. Hop, on va faire ça, tac. Nickel. Donc là, ça va faire tac, tac, tac. Normalement, elle meurt tous les jours, mais on va quand même assurer le coup. Ok, carré. Et puis on va mettre ça là. Voilà, nickel. Il n'a aucune chance de gagner. Hop, voilà, carré. Ça réactive la toxine. Et comme d'hab, zéro piège, comme je t'ai dit. Tout qui est tout le temps prévu. Ah, quel plaisir. Ok, va me récure. Il va enfin pouvoir me taper. Bon, c'est quand même du 1700, hein, c'est pas rien, mais derrière, il perd ça. Non, c'est bon, ok. Bien joué, bien joué. J'aime bien ce genre de tour. Donc, moi, je vais faire ça. Hop. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Je pense, oui. Mais je suis easy, en fait. Bah, c'est pas toi, frérot, c'est la classe SRAM. Hop. Nickel. Un coup d'héros et puis on va éviter de prendre des free dégâts quand même. On va aller se recacher. Comme des salopes. Hop, allez, 700 de soins. 700 de soins, tout est normal. Pas besoin d'invis, frérot. SRAM, trop cheaté. On va lui dire parce que sinon peut-être qu'il va croire ça en mode... tu sais, je suis arrogant ou quoi. Genre, oh, t'es si nul que j'ai pas besoin de main-vie. Alors que c'est juste le SRAM qui est over-cheaté, quoi. Donc là, il a 621 de vita de plus, donc ça veut dire qu'en réalité, il a 900 PV. Au moindre raison un tour, ça peut aller très vite. Hein. Ok, là, le retour de la tactique. Tu vois quand même que les cooldowns tourelles sont ultra ultra rapides. Hein. Genre vraiment, ça va très vite, mais ça va quoi. C'est pas non plus le shit de l'univers. Alors ça, c'est une grosse erreur. Parce que du coup, je vais pouvoir la raison un tour. Oh oui, my regen. Hop. J'ai même pas envie de faire un réseau normal. Je vais faire comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Ouais. Ouais, voilà quoi. Hop. Pas besoin de. On va pouvoir se booster arnaque au moins. Pour le taper encore plus fort sur le truc. Et comme tu peux voir, bah, c'est un petit peu chiant. Hein. Hop. GG, BG. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai pas regardé. Je vois ça. Ouais, bah gros, ça fout le seum. Hein. Ça fout vraiment le seum. Parce qu'en fait tu peux rien faire quoi. Bon bah bien joué à le tactique. Hein. Pas besoin d'un vie comme j'ai dit. Ah il a un PV. Il a un PV, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va kill double. Hop, nickel. Ouais. Du coup on est contre un idiot. Bon là je sens que ça va être auto-win. Ah oh oui, l'auto-win. Donc là je suis sur le SRAM de quelqu'un d'autre encore. Bon auprès des SRAM quand je me fais chier, donc bah c'est cool. Parce que bon c'est vrai que je me fais des. Enfin. Sur Xel, j'attends d'avoir les kamas pour m'acheter un stuff. Du coup, bah, actuellement, je m'amuse à jouer SRAM XD. Comment je peux aller le choper là? J'aimerais bien que le double en profite aussi. On peut utiliser le double. Mais en soi, il n'y en a pas spécialement besoin. Hein. Pour le moment, je peux juste cancériser. Parce que le prochain, j'ai mon Dococo. Hop, donc là on va faire ça. Hop.
Comment je m'y prends? En vrai, je vais mettre une épidémie juste, je pense. Hop. Voilà, comme ça je peux en tacheter. Lui, je le fais péter là. Voilà. J'aurais pu mettre une calamité sur le totem. Ça m'aurait fait du régène, ça l'aurait tué. Parce que là, du coup, il peut mettre un portail ici. Et ouais, voilà, il peut faire ça aussi. Bon, voilà, c'est au choix, quoi. Tout est au choix. On va mettre un petit portail, il va me taper. Ouais, c'est bien joué. Il tape fort, hein. Il est full rock, c'est normal. C'est tout à fait normal et j'ai pas d'ivoire donc bah voilà. Donc il prend du 700 de soin, c'est pas mal du tout. Mais j'ai envie de continuer de ne pas m'envier. J'ai envie d'être un forceur donc on va forcer. Hop. On va faire ça, attaque. Maîtrise des invoques. Nickel. Donc là tu vois que ça fait 2. Donc là je peux même un petit peu faire un petit truc comme ça. Tac, comment elle atterrit là, tac. Et puis là. Ça fera 1, 2, 3, c'est bon, ça passe pile poil. Ah, j'aurais bien aimé bloquer le portail, faire le portail au passage, puis c'est pas grave. Du coup, hop, tu vois, je recule comme ça, nickel. Ensuite, on fait ça, tac, voilà. En plus, il est taclé par une arachne, c'est très chiant. Dommage, il esquive la perte de PA. C'est quand même un héliotrope, hein. C'est pas une classe où t'es censé supporter le fait de te faire taper tous les tours. En plus, là, j'ai un tacheté, donc c'est vraiment pas mal. Ah, nanana, nanana, nanana. Bon, du coup, convulsion. Ok. Il va reprendre la toxine en fin de tour. Hein. Il va faire très mal là. Je pense qu'il va se soigner. Je vois pas trop comment il peut. Ouais, il va tuer l'arachne et se soigner. Il a raison de la tuer. Et interruption, courir peut-être. Ah, dommage ça. Je sais pas si c'est le meilleur choix, frérot. Le 1, il est là-bas. Mais il manque que deux portails à poser encore. Donc on va juste mettre ça. Tu vois, j'aurais bien aimé lui mettre un coup de truc, mais je peux pas, donc on va faire ça. Hop, ça, ça. Et puis un petit coup d'héros au pire. Hein. Pff, franchement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, en vrai. Voilà, c'est pour ça que la série va prendre fin, c'est parce que vraiment tu vois à quel point c'est auto-win quoi. Genre c'est un scandale à quel point c'est. Enfin franchement le tacheté faut l'interdire sur le SRAM. Hein. Faut faire quelque chose avec ça là, c'est trop cancer. Je sais que il y a des SRAM qui vont gueuler parce que du coup ils vont perdre leur petit auto-win mais. Mais voilà quoi, là faudrait qu'ils mettent un portail par là, ouais. Ouais ici ouais c'est bien joué. C'est très bien joué ça. Distribution pas mal, il va se soigner. Bon après voilà, il y a le tacheté qui fait chier mais c'est quand même pas mal. Franchement, j'aime bien. Oh putain, il a pris du. Oh mon dieu, mais mon dieu. Et là, tu vois que, genre, encore là, genre, j'ai juste à faire des conneries comme ça, là, hop. Genre, des trucs cancer comme ça, mec. Ouais. Bah, tu vois, au passage, je peux le pesanteur. Je sais pas si je joue ou non le truc, et puis je pourrais me cacher, hop, et là, tu vois. Hop, j'ai mon tacheté. Donc, je prends du 300 PV. Tour prochain, j'ai le dos coco. Hop, ça me régène alors que c'est sa pesanteur en même temps. Hop, ça aussi. Bon, il est mort du coup, mais t'as capté que, avec les injects et tout, au début de tour, il avait perdu quoi. Il y a le Domakuro qui rajoute, et maintenant, vu qu'il n'y a plus les réflexes de l'ivoire, bah, c'est une grande perte sur ces lignes quand même. Du coup, vas-y, je vais commencer à démontrer la toxine un petit peu. Hop. Donc là, vas-y, hein, je vais juste la booster au maximum. Donc ça va prendre 6 tours. Ouais, enfin 5 vu que j'ai mis le premier piège. Donc là je vais faire. Je sais pas si je fais une ellipse mec. Ouais je pense que je montre vite fait les dégâts juste.
Piège, piège, piège. Ça fait les 3000 là. Yep. Oh putain.